Samedi, je me suis réveillée il y a genre un peu plus de 20 minutes. En fait, je tourne ma routine du matin, donc en fait, il n'y a plus de batterie sur mon appareil photo. Donc là, pour l'instant, ça charge un peu. Donc je peux pas faire grand chose pendant que ça charge. Sinon, je voulais vous dire, du coup, je vais me mettre à la lumière du jour là-bas. Ça sera mieux. Que du coup, hier soir, j'ai mis le masque high-tech de nuit autobronzant, déstressant de chez Garantia. Bon, il fait pas très beau du coup, la luminosité rend pas très bien. Mais déjà j'ai eu trop peur parce qu'il y a des abonnés qui m'ont dit qu'elles ont eu des taches sur le visage et qu'elles étaient orange. Moi non. Et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un visage vraiment plus bronzé quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. On va voir par rapport à mon bras qui était plus bronzé. Bof, bon, déjà la luminosité elle me rend plus blanche que je le suis. Mais moi je me suis regardée dans le miroir ce matin là et j'ai pas vraiment vu de différence. Après ça peut s'utiliser, enfin on n'est pas obligé de voir vraiment un résultat de ouf après la première application. Je peux le réutiliser autant de fois que je veux jusqu'au résultat souhaité en fait. Une semaine de vacances en une nuit. Si en une semaine de vacances je ressors comme ça, je serai un peu dégoûtée. Sauf si je suis partie en vacances dans le nord. Bref. Enfin quoi que j'habite dans l'est, presque le nord et je peux bronzer quand même. Sauf aujourd'hui, vraiment, il fait pas très très beau. Ouh là là, c'est quoi cette luminosité rouge? Donc voilà, voilà, je commence à avoir très faim. Du coup, il faut que j'attende un peu pour mon petit déj. Et sinon, mon copain m'a ramené des huiles essentielles. Donc de lavande, de menthe poivrée et de Gaultéry. Donc je vais voir... Parce que je vous avais déjà dit que je voulais tester menthe poivrée et tout ça pour les mal de tête. Donc je verrai quand je les utilise. Bon, je pense que je vais reprendre mon appareil photo, je vais faire mon petit déj, puis je le remettrai à charger pendant que je mange mon petit déj parce que sinon j'avais réussi à filmer ma vidéo au moins. Non mais les gars, je suis toujours en train de tourner ma routine du matin. Là je fais mon petit déj, je fais mes pancakes que j'ai déjà fait deux fois. J'ai déjà fait avec de la farine basique et j'ai déjà fait avec de la farine d'avoine. Et là je me suis dit, bah, j'ai une autre farine, c'est de la farine de coco et j'avais trop envie de tester parce que j'adore la noix de coco. Et ça fait une pâte, genre comme une pâte à gâteau que tu peux malaxer avec tes doigts. Et pas une pâte liquide, donc là je suis en train d'essayer de cuire mais je sens que ça va être la cata quoi. Pourquoi faut que ça arrive pile dans ma vidéo? Je vais dire quoi dans la vidéo? Bah désolé, ça marche pas. Super, on adore. Non mais regardez, ah oh, non il s'est enlevé. À chaque fois, il y a un poisson jaune qui vient comme s'il essayait de manger ou faire je sais pas quoi dans la pompe. Donc dites-moi si vous savez ce qu'il fait. Bien monsieur qui nettoie tranquillement. Vous verrez peut-être pas, mais malgré son passage, on voit quand même des petites saletés sur la vitre, hein, monsieur. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez une feuille d'une plante qui est en train de se décomposer. Faudrait que je nettoie ça. Bon, je vous retrouve, je suis prête. Par contre, du coup, j'ai pas trop rangé un peu tout mon petit déj, tout ça. C'est un peu. Donc là, je vais juste ranger vite fait parce qu'en fait, il est déjà un peu plus de 11h. Et donc, je vais manger chez mes parents et on va au spectacle de danse de Lily. Faut qu'on y soit assez tôt. Du coup, maman m'a dit de venir vers 11h30. Donc là, je suis un peu dans le speed. Voilà. Bon, je crois que je suis prête. Enfin, j'espère que j'ai tout ce qu'il faut. Mais normalement, c'est bon. Donc, j'ai mis une robe que j'avais achetée sur Asos. Je sais pas si vous allez voir, elle est assez longue en fait. Elle va plus bas que le genou. Et elle est assez moulante. Voilà, j'aime bien. Donc, j'y go, c'est parti. Salut. T'as un nouvel hand spinner? Oui, j'ai offert par mamie. Et toi aussi, là, ça. Coucou. Christ. Même tenir la salade. Non, c'est bon. Allez, rentre ton fils. Allez. Et la louche. Elle prend ça comme un gros compliment. Oh, 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 oh
Ça pique? Ça va? Lily? Yo, me voilà rentrée chez moi. J'ai pas pu trop vous filmer au gala de Lily, tout simplement parce qu'elle a fait deux danses et que je voulais pas filmer le reste des personnes. Donc je vais essayer de vous faire de flouter ou je sais pas quoi pour pas montrer les autres enfants. Donc là, il est déjà 19h20, voilà, je suis un peu dégoûtée. J'étais censée filmer 3 vidéos aujourd'hui, j'en ai tourné une et je suis même pas sûre qu'elle soit complète. Là, je viens seulement de tourner l'intro. Enfin bref, je pensais pas que ça durait aussi longtemps le gala. Puis en plus, après, on allait chez une collègue à ma maman. En fait, je suis allée manger chez mes parents. Ensuite, on allait. En plus, c'est même pas sur Besançon le truc, on allait pour le gala. Ensuite, on allait chez une collègue à ma maman qui a une fille qui faisait du violon. Qui a donné son violon, son petit violon à Lily parce que Lily va faire violon l'année prochaine. Enfin bref. Oh là là, il y a des moucherons partout, je vous jure, c'est horrible avec la chaleur. Dès que tu laisses à peine un truc, genre même les fruits là. Donc il n'y a rien qui est ouvert, je sais pas si vous avez vu. Bon désolé, c'est un peu bizarre sur la table. Je sais pas si vous avez vu, et ben en gros il y a eu plein de moucherons alors que enfin, les fruits sont fermés quoi, je crois pas. Bref, j'ai reçu 2 colis, je vais vite fait vous les ouvrir. Le premier colis, c'est un livre, c'est de Rebecca Yarros et c'est aux éditions Harlequin et c'est le livre Wilder, je sais pas trop comment ça se dit. Mais bref, je suis trop contente, j'ai reçu plein de livres là, ça va me faire plein de lectures pour cet été. J'ai trop hâte de le lire, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, mais je suis pas sûre parce que je crois qu'il sort. Enfin, comment je vous... Je suis pas sûre qu'il... Voilà, il sort juin 2017, donc peut-être que vous l'avez pas encore lu parce qu'il est à peine sorti. Et le deuxième, qu'est-ce que c'est? Je suis trop contente, je savais pas du tout. C'est Léa Chou qui m'a envoyé son livre. En plus j'ai hésité à l'acheter hein. Donc Léa, si tu passes par là, j'ai bien fait de pas l'acheter. Et je vais vous montrer. Donc si vous connaissez pas, c'est Léa de la chaîne donc Léa Chou. J'essaierai de vous mettre un lien de sa chaîne en barre d'infos si j'y pense et que j'oublie pas. Et donc oh là là, je suis trop contente. Donc là, là, petites infos, et elle m'a mis un petit message à ma copine de Big Bang que j'ai à Skip maltraitée pendant les tournages. C'est trop adorable, franchement. Oh, je suis trop contente, j'avais trop envie. J'hésitais à l'acheter en fait parce que j'avais trop envie de voir comment c'était à l'intérieur. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment vraiment cool en plus. Je vais pouvoir faire du coloriage. Enfin bref, c'est hyper cool, je vais pas tout vous montrer, mais en gros c'est un, comme c'est écrit, mon journal à remplir. Voilà, c'est pas... c'est pas genre un livre où elle va raconter sa vie ou des trucs comme ça. Donc je trouve ça hyper intéressant et ça change les livres des youtubeuses basiques. Donc voilà, merci à Léa. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez acheté vous ou pas, si vous connaissez Léa, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, il est un peu plus de 20h, mon copain est rentré puis est reparti. Parce qu'en fait, il va manger chez son papa, ensuite il va sûrement chez sa mamie ou je sais pas quoi. Bref, j'ai pas tout compris mais... on m'a proposé de venir sauf qu'en fait j'ai plein de trucs à faire, je dois monter ma vidéo pour lundi, je dois monter le vlog de demain, enfin bref. Je pensais pas que le gala et tout ça j'allais rester aussi longtemps, donc du coup je me suis dit je reste ici tant pis. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire pour YouTube. J'aurais bien voulu tourner une vidéo en plus mais je sais pas si je vais avoir le courage de tourner ce soir. Voilà, bon c'est pour jeudi hein, donc je peux la tourner plus tard. Mais j'ai une autre vidéo que je dois envoyer en avance pour un site, enfin bref. Trop de choses à faire et là d'abord je vais manger, je sais pas encore ce que je vais me faire mais j'ai trop faim. Je sais vraiment pas quoi manger les gars. J'hésitais à soit me faire une salade mais je vous avoue que j'ai un peu, enfin la flemme. C'est pas vraiment la flemme, c'est que ça va aussi me prendre du temps de couper tomates, concombres, avocats, machin. Du coup je crois que je vais me faire des pâtes au thon. J'ai trop envie de pâtes, je sais pas pourquoi. Et je suis en train de me rendre compte que les gars, il nous reste que ça comme fromage râpé. Et avec les pâtes, le fromage râpé c'est trop ma vie. Donc s'il y en a presque plus là, c'est la mort. Moi généralement quand je fais des pâtes au thon, j'adore mettre de la tomate. Et là je viens de me rendre compte que quand j'ai fait mes courses au drive, je me suis trompée, j'ai pris des miettes de thon à la tomate. Alors que j'ai juste du thon normal. Donc du coup je vais prendre ça, j'ai jamais goûté, je savais même pas que ça existait. Donc écoutez, on va tester hein. Bon, et pour le fromage râpé en plus c'est bon, je sais plus si c'était pas mon copain qui avait acheté ces paquets de fromage. Et c'est des paquets de... c'est des bébés paquets quoi, 70 grammes le truc. C'est la mort les gars, bon bref, je laisse nos bouillir tranquillou, j'ai commencé le montage de ma vidéo pour lundi. Bon voilà mes pâtes au thon, c'est pas hyper magnifique mais...
Le principal, c'est que ce soit bon. En plus, j'en ai fait un peu trop. Donc, il en reste. Mais bon, je voulais pas me faire une assiette haute comme ça, quoi. Oh, je viens de finir de monter ma routine. Je viens de filmer la voix off. Et maintenant, il faut que j'assemble la voix off, du coup, tout bien sur ma vidéo, que je mette de la musique de fond, tout ça. Par que je fasse mes étirements pour le dos. J'ai extrêmement mal au dos. Voilà. Donc, je pense que je vais vous laisser parce que... Voilà, j'ai fini de manger, j'ai fait mon montage. Ce serait bien que je monte le vlog pour demain aussi, que je fasse mes étirements, donc il n'y aura rien de très intéressant par la suite. Je vous laisse et je vous dis peut-être à demain, je sais plus si demain sera quel jour pour vous. Puisque pour moi je ne vlog pas, mais bref, je vous dis à plus tard pour le prochain vlog.